Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord profiter de cette dernière séance des questions au gouvernement au Sénat de la législature pour remercier tous les sénateurs et les sénatrices avec lesquels j'ai travaillé au cours de ces 3 ans. Je pense particulièrement, bien sûr, à vous-même, Madame Meunier, à Gérard Roche, à Jo Labazé, aux 2 présidentes de la délégation Droits des Femmes, Chantal Jouanneau et Brigitte Gontier-Morin, au président Milon et à la rapporteure Caroline Cailleux. Je me suis attachée au cours de ces 3 ans où j'ai porté les politiques de l'enfance à d'abord mettre en place une politique globale de l'enfance, mais aussi à porter une politique spécifique en faveur de l'enfance en danger. C'est d'abord la loi du 14 mars 2016 dont vous avez été à l'initiative avec votre ancienne collègue Muguet Dini. Cette loi qui a permis justement d'éviter les ruptures dans les parcours des enfants placés en protection de l'enfance, mais aussi de mieux repérer et mieux anticiper les difficultés familiales et les mises en danger des enfants, et aussi de décloisonner l'ensemble des acteurs publics, justice, éducation nationale, ASE, psychiatrie, pédopsychiatrie, qui se penchent autour des enfants. Mais j'ai aussi acquis la conviction que la protection de l'enfance, la lutte contre les maltraitances, ce n'est pas qu'un sujet compassionnel, c'est un sujet profondément et éminemment politique. En ce sens que c'est un sujet qui convoque les représentations de la famille, de la liberté éducative, du rôle de l'école, des droits de l'enfant, de l'éducation à la sexualité et les responsabilités que chacun d'entre nous entretient à l'égard des enfants en danger. Je regrette à ce titre que le Sénat ait jugé utile de déférer au Conseil constitutionnel la mesure qui avait été adoptée dans la loi Égalité-Citoyenneté qui définissait l'autorité parentale comme devant s'exercer sans punition corporelle. Car en effet, comment dire à tous ces parents que Madame Meunier évoquait à l'instant, vous pouvez frapper vos enfants, vous avez le droit, vous avez défendu ce droit devant le Conseil constitutionnel, mais pas trop, pas au point de les tuer, pas au point de les martyriser. Il est impossible pour qui que ce soit de faire la différence entre la violence quotidienne, les punitions corporelles, conclure. Le droit de correction, merci Monsieur le Président, le droit de correction et la prévention des maltraitances faites aux enfants. Je présenterai la semaine prochaine le premier plan de lutte interministériel contre les violences faites aux enfants. Merci.